SF. Oh yeah, bonjour. Bonjour, ça va, tranquille? Pépère, aujourd'hui, Machinima. Parce que ça fait longtemps, parce que ça fait plaisir, parce qu'on aime bien ça. Et alors, je vais pas être long aujourd'hui pour vous présenter ce Machinima là, parce qu'il a déjà une durée conséquente, enfin conséquente comparé à ce qu'on peut voir. Et je ne veux pas vous décourager parce que le Machinima vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Et comme en plus on en a pas souvent dans la scène francophone, et qu'en plus lui il est de qualité, on va pas se priver. Donc aujourd'hui, on a affaire à Coup de Fouet d'Albatros 98. Alors si vous vous rappelez, on vous avait déjà diffusé un Machinima qui s'appelait Corrompu. Et si vous en rappelez, eh ben c'est la suite, tout simplement. Donc si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous conseille d'aller voir Corrompu avant. Et puis ensuite, eh ben maintenant, on va pouvoir avoir droit à Coup de Fouet. Attention, Coup de Fouet, hein, pour tous les fans de sadomasochisme, vous allez être très très déçus certainement. Au contraire, aujourd'hui, on n'est pas là pour se faire mal avec ce Machinima. On est là pour se faire du bien parce qu'encore une fois, c'est de la qualité. Donc je ne m'étale pas plus pour cette intro. Je vous laisse savourer ce Machinima et on se retrouve après. Bisous, bisous. Proche du prototype, du châssis à l'armement, tout est expérimental. Fils de... Les données ont-elles révélé quelque chose d'utile? Nous avons presque terminé de décrypter les fichiers sur le Mantis de Materials Group. Nous avons réussi à récupérer les sources du protocole de contrôle à distance. Toutes les sources? Toutes. Eh bien, cet incapable de Louis aura peut-être été utile après tout. Psst, Clyde. Clyde, je vous attendais. Apparemment, le directeur va faire venir un homme politique. Ça sent pas bon. Ce sera tout, merci. Entendu. Vous vouliez me voir? Bon travail avec Materials. Grâce aux fichiers récupérés, on a une longueur d'avance sur eux. Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de lancer la production de masse. Et ça, c'est grâce à vous. J'aimerais qu'on reparle de vos méthodes. Tuer Louis n'était pas nécessaire à l'opération. Tuer? Regardez plutôt ça. C'est près de la station de tramway de Flamenco Street que la fusillade a eu lieu. Un des suspects a été retrouvé tôt ce matin dans un état critique. Il a immédiatement été transporté à l'hôpital de Promessa. Le suspect se serait battu et aurait reçu une balle dans la tête, miraculeusement non fatale. La police appelle à la plus grande vigilance, puisque le second suspect n'a pas encore pu être identifié. Je ne comprends pas. Louis est vivant. C'est tout ce qui a besoin d'être compris. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne doit pas laisser de témoins. Nous devons nous occuper de Louis. Materials a vu grand pour leur protéger. Sa chambre est surveillée et l'accès à l'hôpital est contrôlé. On ne pourra pas faire ça discrètement. Bon, quel est le plan B?
L'opération coup de fouet. Quoi ? Maintenant ? Les sénateurs sont déjà favorables à la privatisation de l'UNSC. Inutile d'attendre plus longtemps. L'hôpital de Promessa était déjà sur la liste de l'opération. Comme vous voudrez. Je compte sur vous, Clyde. Il a l'air énervé, celui-ci, hein ? Le sénateur Davis vient d'arriver, monsieur. Faites-le entrer. Sénateur Davis, heureux de vous revoir. Faisons vite. Vous avez entendu parler de la fusillade à Promessa ? Oui, j'ai vu ça aux infos. De quoi est-il question ? La police a retrouvé la douille, c'est une balle de type M225. Ce qui veut dire que c'est une arme de l'UNSC qui l'a tirée. Autant vous dire que ça ne plaît pas beaucoup au président. Vous voulez dire que le tireur serait un soldat ? Ça reste à déterminer, mais ce n'est pas exclu. Et avec les bruits de rébellion dans l'UNSC, il y a de quoi être inquiet. C'est compréhensible. Quoi qu'il en soit, ça ne change rien aux discussions sur vos projets. Bien que les propositions soient intéressantes, je ne pense pas que l'opinion publique soit prête à accorder la gestion de l'UNSC à des sociétés privées. Je m'attendais à des réticences. Suivez-moi. J'aimerais vous montrer directement de quoi il est question. Cela vous fera peut-être changer d'avis. Maintenant que je suis là... On est dans les temps ? Négatif. Ça a déjà commencé sur les sites Alpha et Charlie. Ça ne va pas plaire au directeur. Tu rentres avec nous, Clyde ? Non. J'ai toujours été contre cette opération. Ça ne me ressemble pas. Tu essayes de t'en convaincre ? Pourtant t'es là. Restez concentré. Ça commence. 3 minutes et vous entrez. La taupe c'est Marvin. Compris ? Oui. J'ouvre le bal, compris ? Mais vous là ? Ça va, vous foutez là ? Non, parce que j'ai pas souvenir qu'on ait fait appel à l'UNSC. Je vous vois descendre de l'ascenseur, vous avez pas vu rentrer, alors vous allez m'expliquer ce que vous foutez là ? Moi, ça va pas se passer comme ça, vous allez pas faire votre lot ici. L'UNSC, on n'aime pas vos manières, on n'aime pas comment entrer là, alors vous allez fermer.
Il prépare une guerre ou quoi? Je sais pas, bon, on s'en fout. Pourquoi il demande de produire autant d'unités? Nous, on est là pour tenir les délais. Le reste qu'ils font, ça ne regarde pas. Mais ça te semble pas étrange? Pourquoi? D'abord un lot d'essai, et maintenant ça? Écoute-moi bien. Si t'as une chose à retenir, c'est que si tu veux garder ton poste ici, va falloir arrêter de poser trop de questions. Nos terres, ils sont grands, d'accord? On produit soit pour l'UNSC, soit pour l'ONI. Alors à ta place, j'essaierai de pas trop me faire voir. Nous, on produit, on entrepose et c'est tout. Attends, tu me suis. Regarde-moi ça. C'est pas beau ce qu'on produit, ça, Materials? Voilà, maintenant, si vous pensez que je vous ai menti en vous disant que ce machinima était bien cool, bah, on va avoir un sérieux problème. Parce que, voilà, sans dire qu'il est exempt de défauts, on a quand même affaire à un machinima très bien travaillé, très propre, enfin bref. Je vous laisserai vous-même donner votre propre avis en commentaire. Mais si on pouvait avoir plus de machinima comme ça sur la scène francophone ces prochains temps, eh ben, ça ferait plaisir, voilà. Donc, d'ailleurs, bah, Albatros, bien sûr, le lien de sa chaîne est dans la description si vous voulez le suivre directement, mais petit message pour toi directement. Je pense que, en mon nom, mais même au nom de la communauté, grouille-toi de faire le prochain épisode, d'accord? Demain? Tu le fais demain? Très bien, c'est bien, c'est cool. Hein, allez un petit peu, dites-lui aussi dans les commentaires de le sortir vite parce que maintenant on veut savoir ce qui se passe. Et oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, et ben écoutez, en attendant le troisième épisode, ou même vos machinima à vous, hein, si vous aussi vous avez un machinima à nous proposer, hein, c'est comme d'habitude, hein, n'hésitez pas. Et d'ici la prochaine fois, plein d'amour sur vous, prenez soin de vous et de vos proches, et ciao, bambino.